À l'issue du premier tour des législatives dimanche 12 juin, 5 candidats ont directement décroché leur siège à l'Assemblée nationale. Parmi ces 5 candidats, 4 font partie de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Alexis Corbière, député sortant, a été réélu avec 62,94% des voix dans la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Il est l'une des figures de la France insoumise. Daniel Obono, député sortant LFI, a obtenu 57,07% des voix dans la 17e circonscription de Paris. Sophia Chikirou a obtenu 53,74% des voix dans la 6e circonscription de Paris. Elle a été l'ancienne directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle en 2017. Sarah Legrain, candidate LFI, a recueilli 56,51% des voix dans la 16e circonscription de Paris. Et dans le Grand Ouest, Yannick Favennec, candidat lui pour Ensemble, a reçu 57,13% des voix dans la 3e circonscription de la Mayenne.